Bonsoir, je suis méga en retard parce qu'en fait j'ai un problème avec. Enfin, j'ai plus internet. Donc, j'ai plus internet. J'essaie de voir. Donc, j'ai connecté mon téléphone. Je ne sais pas si ça va être stable. Et puis aussi, je tente maintenant de enregistrer, enfin, de passer par YouTube pour que je puisse après. Enfin, pour que les gens qui sont intéressés. Puisse voir directement sur le YouTube, sur la page YouTube, toutes les lectures que j'aurais faites. Je me dis que ce sera peut-être un peu plus net. Et voilà. Mais en attendant, je sais pas si c'est vraiment la meilleure plateforme. Mais bon, j'essaye. Hein. Comme je suis pas super douée en technologie, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Donc voilà, je vais vous lire la suite de ce livre. L'insurrection qui vient du comité, le premier livre du comité invisible. Et j'ai lu hier Sous quel angle, qui est la sorte d'introduction, et le premier cercle. Il y a sept cercles, je vais vous lire aujourd'hui le deuxième et le troisième. Je vais d'abord me servir de l'eau. Ça va durer une vingtaine de minutes. Voilà. Et vous pouvez toujours donc regarder cette vidéo par la suite sur Facebook ou YouTube. Donc, je suis au deuxième cercle. Le divertissement est un besoin vital. Un gouvernement qui déclare l'état d'urgence contre des gamins de 15 ans, un pays qui met son salut entre les mains d'une équipe de footballeurs. Un flic dans un lit d'hôpital qui se plaint d'avoir été victime de violences, un préfet qui prend un arrêté contre ceux qui se construisent des cabanes dans les arbres, deux enfants de 10 ans à Chelles, inculpés pour l'incendie d'une ludothèque. Cette époque excelle dans un certain grotesque de situation qui semble à chaque fois lui échapper. Il faut dire que le médiatique ne ménage pas leur effort pour étouffer dans le registre de la plainte et de l'indignation l'éclat de rire qui devrait accueillir de pareilles nouvelles. Un éclat de rire déflagrant. C'est la réponse ajustée à toutes les graves questions que se plaît à soulever l'actualité. Pour commencer par la plus rebattue, il n'y a pas de question de l'immigration. Qui grandit encore là où il est né? Qui habite là où il a grandi? Qui travaille là où il habite? Qui vit là où vivaient ses ancêtres? Et de qui sont-ils les enfants de cette époque? De la télé ou de leurs parents? La vérité, c'est que nous avons été arrachés en masse à toute appartenance, que nous ne sommes plus de nulle part et qu'il résulte de cela, en même temps qu'une inédite disposition au tourisme, une indéniable souffrance. Notre histoire est celle des colonisations, des migrations, des guerres, des exils, de la destruction de tous les enracinements. C'est l'histoire de tout ce qui a fait de nous des étrangers dans ce monde, des invités dans nos propres familles. Nous avons été expropriés de notre langue par l'enseignement, de nos chansons par la variété, de nos chairs par la pornographie de masse, de notre ville par la police, de nos amis par le salariat. À cela s'ajoute en France le travail féroce et séculaire d'individualisation par un pouvoir d'État qui note, compare, discipline et sépare ses sujets dès le plus jeune âge, qui broie par instinct les solidarités qui lui échappent, afin que ne reste que la citoyenneté, la pure appartenance fantasmatique à la République. Le français est plus que tout autre le dépossédé, le misérable. Sa haine de l'étranger se fond avec sa haine de soi comme étranger. Sa jalousie mêlée d'effroi pour les cités ne dit que son ressentiment pour tout ce qu'il a perdu. Il ne peut s'empêcher d'envier ces quartiers dits de relégation, où persiste encore un peu d'une vie commune, quelques liens entre les êtres, quelques solidarités non étatiques, une économie informelle, une organisation qui ne s'est pas encore détachée de ceux qui s'organisent. Nous en sommes arrivés à ce point de privation où la seule façon de se sentir français est de pester contre les immigrés, contre ceux qui sont plus visiblement des étrangers comme moi. Les immigrés tiennent dans ce pays une curieuse position de souveraineté. S'ils n'étaient pas là, les Français n'existeraient peut-être plus. La France est un produit de son école et non l'inverse.
Nous vivons dans un pays excessivement scolaire où l'on se souvient du passage du bac comme d'un moment marquant de la vie, où des retraités vous parlent encore de leur échec 40 ans plus tôt à tel ou tel examen et combien cela a grevé toute leur carrière, toute leur vie. L'école de la République a formé depuis un siècle et demi un type de subjectivité étatisée reconnaissable entre toutes. Des gens qui acceptent la sélection et la compétition à condition que les chances soient égales, qui attendent de la vie que chacun y soit récompensé comme dans un concours selon son mérite, qui demandent toujours la permission avant de prendre, qui respectent muettement la culture, les règlements et les premiers de la classe. Même leur attachement à leurs grands intellectuels critiques et leur rejet du capitalisme sont empreints de cet amour de l'école. C'est cette construction étatique des subjectivités qui s'effondre chaque jour un peu plus avec la décadence de l'institution scolaire. La réapparition, depuis 20 ans, de l'école, de la culture de la rue, en concurrence de l'école de la République et de sa culture en carton, est le plus profond traumatisme que subit actuellement l'universalisme français. Sur ce point, la droite la plus extrême se réconcilie par avance avec la gauche la plus virulente. Le seul nom de Jules Ferry, ministre du Tiers, durant l'écrasement de la Commune et théoricien de la colonisation, devrait pourtant suffire à nous rendre suspectes cette institution. Quant à nous, lorsque nous voyons des profs issus d'on ne sait quel comité de vigilance citoyen venir pleurnicher aux 20 heures qu'on leur a brûlé leur école, nous nous souvenons combien de fois, enfants, nous en avions rêvé. Lorsque nous entendons un intellectuel de gauche éricter sur la barbarie des bandes de jeunes qui, elles, les passant dans la rue, volent à l'étalage, incendient des voitures et jouent au chat et à la souris avec les CRS, nous nous rappelons ce qui se disait des blousons noirs dans les années 1960, ou mieux, des Apaches à la belle époque. Sous le nom générique d'Apache, écrit un juge au tribunal de la Seine en 1907, il est de mode de désigner depuis quelques années tous les individus dangereux, ramassis de la récidive, ennemis de la société, sans patrie ni famille, déserteurs de tous les devoirs, prêts au plus audacieux coup de main à tous les attentats contre les personnes ou les propriétés. Ces bandes qui fuient le travail, prennent le nom de leur quartier et affrontent la police sont le cauchemar du bon citoyen individualisé à la française. Ils incarnent tout ce à quoi il a renoncé, toute la joie possible et à laquelle il n'accédera jamais. Il y a de l'impertinence à exister dans un pays où un enfant que l'on prend à chantier à son gré se fait inévitablement rabrouer d'un « arrête, tu vas faire pleuvoir ». Où la castration scolaire débite à flux tendu des générations d'employés policiers. L'aura persistante de Mesrine tient moins à sa droiture et à son audace qu'au fait d'avoir entrepris de se venger de ce dont nous devrions tous nous venger, ou plutôt dont nous devrions nous venger directement, là où nous continuons à biaiser, à différer. Car il ne fait pas de doute que par mille bassesses inaperçues, par toutes sortes de médisances, par une petite méchanceté glacée et une politesse venimeuse, le français ne cesse de se venger en permanence et contre tout, de l'écrasement à quoi il s'est résigné. Il était temps que le nique la police prenne la place de « oui, monsieur l'agent ». En ce sens, l'hostilité sans nuance de certaines bandes ne fait qu'exprimer d'une manière un peu moins feutrée que d'autres la mauvaise ambiance, le mauvais esprit de fond, l'envie de destruction salvatrice où ce pays se consume. Appeler société le peuple d'étrangers au milieu duquel nous vivons est une telle usurpation que même les sociologues songent à renoncer à un concept qui fut pendant un siècle leur gagne-pain. Ils préfèrent maintenant la métaphore du réseau pour décrire la façon dont se connectent les solitudes cybernétiques, dont se nouent les interactions faibles connues sous le nom de collègues, contacts, potes, relations ou d'aventures. Il arrive tout de même que ces réseaux se condensent en milieu, où l'on ne partage rien, sinon des codes, et où rien ne se joue, sinon l'incessante recomposition d'une identité. On perdrait son temps à détailler tout ce qu'il y a d'agonisant dans les rapports sociaux existants. On dit que la famille revient, que le couple revient, mais la famille qui revient n'est pas celle qui s'en est allée. Ce retour n'est qu'un approfondissement de la séparation régnante, qu'elle sert à tromper, devenant elle-même par là tromperie. Chacun peut témoigner des doses de tristesse que condensent d'année en année les fêtes de famille, ces sourires laborieux, cet embarras de voir tout le monde simuler en vain,
Ce sentiment qu'il y a un cadavre posé là sur la table et que tout le monde fait comme si de rien n'était. De flirt en divorce, de concubinage en recomposition, chacun ressent l'inanité du triste noyau familial, mais la plupart semblent juger qu'il serait plus triste encore d'y renoncer. La famille, ce n'est plus tant l'étouffement de l'emprise maternelle ou le patriarcat des tartes dans la gueule que cet abandon infantile à une dépendance cotonneuse, où tout est connu, ce moment d'insouciance face à un monde dont nul ne peut plus nier qu'il s'écroule, un monde où devenir autonome est un euphémisme pour avoir enfin un patron et payer un loyer. On voudrait trouver dans la familiarité biologique l'excuse pour corroder en nous toute détermination un peu brisante, pour nous faire renoncer, sous prétexte qu'on nous a vu grandir, à tout devenir majeur comme à la gravité qu'il y a dans l'enfance. De cette corrosion, il faut se préserver. Le couple est comme le dernier échelon de la grande débâcle sociale. C'est l'oasis au milieu des déserts humains. On vient chercher sous les auspices de l'intime tout ce qui a si évidemment déserté les rapports sociaux contemporains. La chaleur, la simplicité, la vérité, une vie sans théâtre ni spectateur. Mais passé l'étourdissement amoureux, l'intimité tombe sa défroque. Elle est elle-même une invention sociale. Elle parle le langage des journaux féminins et de la psychologie. Elle est comme le reste, blindée de stratégies jusqu'à l'écœurement. Il n'y a pas là plus de vérité qu'ailleurs. Là aussi dominent le mensonge et les lois de l'étrangeté. Et lorsque par fortune on l'y trouve, cette vérité, elle appelle un partage qui dément la forme même du couple. Ce par quoi des êtres s'aiment et aussi bien ce qui les rend aimables et ruine l'utopie de l'autisme à deux. En réalité, la décomposition de toutes les formes sociales est une aubaine. C'est pour nous la condition idéale d'une expérimentation de masse, sauvage, de nouveaux agencements, de nouvelles fidélités. La fameuse démission parentale nous a imposé une confrontation avec le monde qui a forcé en nous une lucidité précoce et augure quelques belles révoltes. Dans la mort du couple, nous voyons naître de troublantes formes d'affectivité collective. Maintenant que le sexe est usé jusqu'à la corde, que la virilité et la féminité ont tout de vue costume mité, que 3 décennies d'innovation pornographique continue ont épuisé tous les attraits de la transgression et de la libération. Ce qu'il y a d'inconditionnel dans les liens de parenté, nous comptons bien en faire l'armature d'une solidarité politique aussi impénétrable à l'ingérence étatique qu'un campement de gitans. Il n'y a pas, jusqu'aux interminables subventions que de nombreux parents sont acculés à verser à leur progéniture prolétarisée, qui ne puisse devenir une forme de mécénat en faveur de la subversion sociale. Devenir autonome, cela pourrait vouloir dire aussi bien apprendre à se battre dans la rue, à s'emparer des maisons vides, à ne pas travailler, à s'aimer follement et à voler dans les magasins. Alors le troisième cercle, la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? Il n'y a pas de question plus embrouillée en France que celle du travail. Il n'y a pas de rapport plus tordu que celui des Français au travail. Allez en Andalousie, en Algérie, à Naples, on y méprise le travail au fond. Allez en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, on y révère le travail. Les choses changent, c'est vrai. Il y a bien des otaku au Japon, des Frauarbeitlos en Allemagne et des workaholics en Andalousie. Mais ce ne sont pour l'heure que des curiosités. En France, on fait des pieds et des mains pour grimper dans la hiérarchie, mais on se flatte en privé de n'en ficher pas une. On reste jusqu'à 10 heures du soir au boulot quand on est débordé, mais on n'a jamais eu de scrupules à voler de ci de là du matériel du bureau, ou à ponctionner dans les stocks de la boîte des pièces détachées qu'à l'occasion on revend. On déteste les patrons, mais on veut à tout prix être employé. Avoir un travail est un honneur et travailler une marque de servilité. Bref, le parfait tableau clinique de l'hystérie. On aime en détestant, on déteste en aimant. Et chacun sait quelle stupeur et quel désarroi frappe l'hystérique lorsqu'il perd sa victime, son maître. Le plus souvent, il ne s'en remet pas. Dans ce pays, foncièrement politique qu'est la France,
Le pouvoir industriel a toujours été soumis au pouvoir étatique. L'activité économique n'a jamais cessé d'être soupçonneusement encadrée par une administration tatillonne. Les grands patrons, qui ne sont pas issus de la noblesse d'État façon Polytechnique ENA, sont les parias du monde des affaires où l'on admet, en coulisses, qu'ils font un peu pitié. Bernard Tapie est leur héros tragique, adulé un jour, en tôle le lendemain, intouchable toujours. Qu'il évolue maintenant sur scène n'a rien d'étonnant. En le contemplant comme on contemple un monstre, le public français le tient à bonne distance et par le spectacle d'une si fascinante infamie se préserve de son contact. Malgré le grand bluff des années 1980, le culte de l'entreprise n'a jamais pris en France. Quiconque écrit un livre pour la vilipender s'assure un best-seller. Les managers, les mœurs et la littérature ont beau parader en public, il reste autour d'eux un cordon sanitaire de ricanements, un océan de mépris, une mer de sarcasme. L'entrepreneur ne fait pas partie de la famille. À tout prendre dans la hiérarchie de la détestation, on lui préfère le flic. Être fonctionnaire reste, contre vents et marées, contre Golden Boys et privatisation, la définition entendue du bon travail. On peut envier la richesse de ceux qui ne le sont pas, on n'envie pas leur poste. C'est sur le fond de cette névrose que les gouvernements successifs peuvent encore déclarer la guerre au chômage et prétendre livrer la bataille de l'emploi, tandis que d'ex-cadres campent avec leurs portables dans les tentes des médecins du monde sur les bords de la Seine. Quand les radiations massives de la NPE peinent à faire descendre le nombre de chômeurs au-dessous de 2 millions malgré tous les trucages statistiques, quand le RMI et le BIS garantissent seuls, de l'avis même des renseignements généraux, contre une exploration sociale à tout moment possible, c'est l'économie psychique des Français autant que la stabilité politique du pays qui se joue dans le maintien de la fiction travailliste. Qu'on nous permet de nous en foutre. Nous appartenons à une génération qui vit très bien sans cette fiction, qui n'a jamais compté sur la retraite ni sur le droit du travail, encore moins sur le droit au travail, qui n'est même pas précaire, comme se plaisent à le théoriser les fractions les plus avancées de la mitance gauchiste, parce qu'être précaire, c'est encore se définir par rapport à la sphère du travail, en l'espèce, à sa décomposition. Nous admettons la nécessité de trouver de l'argent, qu'importent les moyens, parce qu'il est présentement impossible de s'en passer, non, la nécessité de travailler. D'ailleurs, nous ne travaillons plus, nous taffons. L'entreprise n'est pas un lieu où nous existons, c'est un lieu que nous traversons. Nous ne sommes pas cyniques, nous sommes juste réticents à nous laisser abuser. Les discours sur la motivation, la qualité, l'investissement personnel glissent sur nous pour le plus grand désarroi de tous les gestionnaires en ressources humaines. On dit que nous sommes déçus de l'entreprise, que celle-ci n'a pas honoré la loyauté de nos parents, les a licenciés trop lestement. On ment. Pour être déçu, il faut avoir espéré un jour. Et nous n'avons jamais rien espéré d'elle. Nous la voyons pour ce qu'elle est et n'a jamais cessé d'être. Un jeu de dupes à confort variable. Nous regrettons seulement pour nos parents qu'ils soient tombés dans le panneau, ceux du moins qui y ont cru. La confusion des sentiments qui entourent la question du travail peut s'expliquer ainsi. La notion de travail a toujours recouvert deux dimensions contradictoires, une dimension d'exploitation et une dimension de participation. Exploitation de la force de travail individuelle et collective par l'appropriation privée ou sociale de la plus-value, participation à une œuvre commune par les liens qui se tissent entre ceux qui coopèrent au sein de l'univers de la production. Ces deux dimensions sont vicieusement confondues dans la notion de travail, ce qui explique l'indifférence des travailleurs, en fin de compte, à la rhétorique marxiste qui dénie la dimension de participation, comme à la rhétorique managériale, qui dénie la dimension d'exploitation. D'où aussi l'ambivalence du rapport au travail, à la fois honni en tant qu'il nous rend étrangers à ce que nous faisons et adoré en tant que c'est une part de nous-mêmes qui s'y joue. Le désastre ici est préalable. Il réside dans tout ce qu'il a fallu détruire, dans tous ceux qu'il a fallu déraciner pour que le travail finisse par apparaître comme la seule façon d'exister. L'horreur du travail est moins dans le travail lui-même que dans le ravage méthodique depuis des siècles de tout ce qui n'est pas lui, familiarité de quartier, de métier, de village, de lutte, de parenté, attachement à des lieux, à des êtres, à des saisons, à des façons de faire et de parler. Là réside le paradoxe actuel. Le travail a triomphé sans reste de toutes les autres façons d'exister, dans le temps même où les travailleurs sont devenus superflus. Les gains de productivité, la délocalisation, la mécanisation,
L'automatisation et la numérisation de la production ont tellement progressé qu'elles ont réduit à presque rien la quantité de travail vivant nécessaire à la confection de chaque marchandise. Nous vivons le paradoxe d'une société de travailleurs sans travail, où la distraction, la consommation, les loisirs ne font qu'accuser encore le manque de ce dont ils devraient nous distraire. La mine de Carmaux, qui se rendit célèbre pendant un siècle pour ses grèves violentes, a été reconvertie en Cap Découverte. C'est un pôle multi-loisirs où l'on fait du skateboard et du vélo et qui se signale par un musée de la mine dans lequel on simule des coups de grisou pour les vacanciers. Dans les entreprises, le travail se divise de façon toujours plus visible en emplois hautement qualifiés de recherche, conception, contrôle, coordination, communication liée à la mise en œuvre de tous les savoirs nécessaires au nouveau processus de production cybernétisé et un emploi déqualifié d'entretien et surveillance de ce processus. Les premiers sont en petit nombre, très bien payés, et donc si convoités que la minorité qui les accapare n'aurait pas idée d'en laisser une miette lui échapper. Leur travail et eux ne font effectivement qu'un en une étreinte angoissée. Managers, scientifiques, lobbyistes, chercheurs, programmeurs, développeurs, consultants, ingénieurs ne cessent littéralement jamais de travailler. Même leur plan Q augmente leur productivité. Les entreprises les plus créatives sont aussi celles où les relations intimes sont les plus nombreuses, théorise un philosophe pour DRH. Les collaborateurs de l'entreprise, confirme celui de Daimler-Benz, font partie du capital de l'entreprise. Leur motivation, leur savoir-faire, leur capacité d'innovation et leur souci des désirs de la clientèle constituent la matière première des services innovants. Leur comportement, leurs compétences sociales et émotionnelles ont un poids croissant dans l'évaluation de leur travail. Celui-ci ne sera plus évalué en nombre d'heures de présence, mais sur la base des objectifs atteints et de la qualité des résultats. Ils sont des entrepreneurs. L'ensemble des tâches qui n'ont pu être déléguées à l'automation forment une nébuleuse de postes qui, pour n'être pas occupables par des machines, sont occupables par n'importe quel humain. Manutentionnaires, magasiniers, travailleurs à la chaîne, saisonniers, etc. Cette main-d'œuvre flexible, indifférenciée, qui passe d'une tâche à une autre et ne reste jamais longtemps dans une entreprise, ne peut plus s'agréger à une force, n'étant jamais au centre du processus de production, mais comme pulvérisé dans une multitude d'interstices, occupé à boucher les trous de ce qui n'a pas été mécanisé. L'intérimaire est la figure de cet ouvrier qui n'en est plus un, qui n'a plus de métier, mais des compétences qu'il vend au fil de ses missions, et dont la disponibilité est encore un travail. En marge de ce cœur de travailleurs effectifs, nécessaire au bon fonctionnement de la machine, s'étend désormais une majorité devenue surnuméraire qui est certes utile à l'écoulement de la production, mais guère plus, et qui fait peser sur la machine le risque, dans son désœuvrement, de se mettre à la saboter. La menace d'une démobilisation générale est le spectre qui hante le système de production présent. À la question « Pourquoi travailler alors ?», tout le monde ne répond pas comme cet ex-RMiste à Libération « Pour mon bien-être, il fallait que je m'occupe ». Il y a un risque sérieux que nous finissons par trouver un emploi à notre désœuvrement. Cette population flottante doit être occupée ou tenue. Or, on n'a pas trouvé à ce jour de meilleure méthode disciplinaire que le salariat. Il faudra donc poursuivre le démantèlement des acquis sociaux afin de ramener dans le giron salarial les plus rétifs, ceux qui ne se rendent que face à l'alternative entre crever de faim et croupir en tôle. L'explosion du secteur esclavagiste des services personnels doit continuer. Femmes de ménage, restauration, massage, assistance à domicile, prostitution, soins, cours particuliers, loisirs thérapeutiques, aide psychologique, etc. Le tout accompagné d'un rehaussement continu des normes de sécurité, d'hygiène, de conduite et de culture, une accélération de la fugacité des modes qui seule assoit la nécessité de tels services. À Rouen, les horodateurs ont cédé la place au parc-maître humain. Quelqu'un qui s'ennuie dans la rue vous délivre un ticket de stationnement et vous loue, le cas échéant, un parapluie par temps d'averse. L'ordre du travail fut l'ordre d'un monde. L'évidence de sa ruine frappe de tétanie à la seule idée de tout ce qui s'ensuit.
Travailler aujourd'hui se rattache moins à la nécessité économique de produire des marchandises qu'à la nécessité politique de produire des producteurs et des consommateurs, de sauver par tous les moyens l'ordre du travail. Se produire soi-même est en passe de devenir l'occupation dominante d'une société où la production est devenue sans objet. Comme un menuisier que l'on aurait dépossédé de son atelier et qui se mettrait en désespoir de cause à se raboter lui-même. De là, le spectacle de tous ces jeunes gens qui s'entraînent à sourire pour leur entretien d'embauche, qui se font blanchir les dents pour un meilleur avancement, qui vont en boîte de nuit pour stimuler l'esprit d'équipe, qui apprennent l'anglais pour booster leur carrière, qui divorcent ou se marient pour mieux rebondir, qui font des stages de théâtre pour devenir des leaders ou de développement personnel pour mieux gérer les conflits. Le développement personnel le plus intime, prétend un quelconque gourou, mènera à une meilleure stabilité émotionnelle, à une ouverture relationnelle plus aisée, à une acuité intellectuelle mieux dirigée et donc à une meilleure performance économique. Le grouillement de tout ce petit monde qui attend avec impatience d'être sélectionné en s'entraînant à être naturel relève d'une tentative de sauvetage de l'ordre du travail par une éthique de la mobilisation. Être mobilisé, c'est se rapporter au travail non comme activité mais comme possibilité. Si le chômeur qui s'enlève ses piercings va chez le coiffeur et fait des projets, travaille bel et bien à son employabilité, comme on dit, c'est qu'il témoigne par là de sa mobilisation. La mobilisation, c'est ce léger décollement par rapport à soi, ce mini lâchement à ce qui nous constitue, cette condition d'étrangeté, à partir de quoi le moi peut être pris comme objet de travail, à partir de quoi il devient possible de se vendre soi et non sa force de travail. De se faire rémunérer non pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est, pour notre exquise maîtrise des codes sociaux, nos talents relationnels, notre sourire ou notre façon de présenter. C'est la nouvelle norme prostitutionnelle de socialisation. La mobilisation opère la fusion des deux pôles contradictoires du travail. Ici, on participe à son exploitation et l'on exploite toute participation. On est à soi-même, idéalement, une petite entreprise, son propre patron et son propre produit. Il s'agit, que l'on travaille ou non, d'accumuler les contacts, les compétences, le réseau, bref, le capital humain. L'injonction planétaire à se mobiliser au moindre prétexte, le cancer, le terrorisme, un tremblement de terre, des SDF, résume la détermination des puissances régnantes à maintenir le règne du travail par-delà sa disparition physique. L'appareil de production présent est donc, d'un côté, cette gigantesque machine à mobiliser psychiquement et physiquement, à pomper l'énergie des humains devenus excédentaires. De l'autre, il est cette machine à trier qui alloue la survie aux subjectivités conformes et laisse choir tous les individus à risque, tous ceux qui incarnent un autre emploi de la vie et par là lui résistent. D'un côté, on fait vivre les spectres. De l'autre, on laisse mourir les vivants. Telle est la fonction proprement politique de l'appareil de production présent. S'organiser par-delà et contre le travail, déserter collectivement le régime de la mobilisation, manifester l'existence d'une vitalité et d'une discipline dans la démobilisation même est un crime qu'une civilisation aux abois n'est pas prête de nous pardonner. C'est en effet la seule façon de lui survivre. Voilà pour ce soir. Bonne nuit.